peut y avoir une vertu dans le buzz. Ouais. Parce que le buzz, bon, faire du bruit, chercher un angle un peu polémique et tout. Quand il s'agit justement pour des fins politiques de faire courir le bruit qu'en fait je serais malhonnête ou je sais pas quoi. Bon, là, je trouve pas ça correct, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, bon, c'est une attaque politique. C'est le journaliste. En tout cas, tout est réglé maintenant. Il y avait surtout aucun problème à la base. Vous avez quitté votre logement social, vous payez le prix qu'il faut, l'appart qu'il faut. Mais avant aussi. Alors, attends, on va en parler de ça. Mais c'est intéressant, c'est un beau sujet d'ailleurs. Ouais, ouais. Aujourd'hui, par exemple à Paris, il y a 200 000 logements, on va dire, du parc de la ville de Paris. Ça augmente 400 à 500 000 Parisiens, près de 20%. Et il faut que ces gens-là, qui sont comme moi, fonctionnaires ou même des milieux plus populaires, puissent faire de la politique. Ce que je vois à l'Assemblée nationale ou même au Conseil de Paris, c'est qu'il n'y a pas assez de gens issus de ces milieux sociaux-là qui font de la politique. L'essentiel des gens, des députés qui sont là, sont des jeunes médecins, des jeunes avocats, issus de familles bourgeoises, etc. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Mes parents m'ont pas acheté un appartement. J'ai trois enfants, etc. Bon, mais aujourd'hui, tout va bien, rassurez-nous. Vous touchez autant qu'un député des Républicains. Bien entendu. Mais voilà. Quand vous dites aujourd'hui, tout va bien, même avant, tout allait bien. Et plutôt qu'à une époque de valoriser le fait que c'est bien, Corbière comme d'autres, ou comme dans mon groupe, il y a une aide-soignante. Dans le groupe France Insoumise, il y a des gens, profs de lycée professionnels, etc., ou aide-soignante. Mon copain Adrien Quatennens, il travaille dans un call center, qui sont devenus députés. On est venu nous attaquer en disant Corbière salaud parce qu'il habite en logement social. Mais oui, c'est parce que je correspondais aux critères. Je payais 1 300 € de loyer. Et comme enseignant, je touchais 2 400 €.